Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Palmi Sakma pour la caille. Je souhaite regarder une vidéo là parce que ça mérite pour partager dans la communauté. Et s'il est vrai que nous disons, en fait, Dominicain a un droit pour dire, bon, monde qui est légal, la caille, il a mis le dehors. Mais exemple ça, c'est un grand exemple ça, moi je pense que c'est trop. Il y a un grand exemple en trop. Un jeune garçon qui perdit la vie après 12 jours, il a quitté la prison sans manger. Qui a battu chaque jour. Et puis, il a vint la guerre, reste là, sous frontière. Tentative t'a fait pour sauver, il n'a pas gagné à sauver, il a soufflé. Comprenez bien ça, n'a pas parlé là. N'a pas parlé, il y a un pays qui a déporté des citoyens dans le pays. Mais nous pensons que, de par réaction, il est arrivé, il n'a pas arrêté sans conséquence. Moi, je pense que, et ce genre de vidéo, il faut arriver à joindre autant de monde que possible qui au plus haut élevé dans souci pour rendre compte monde qui de près ou de loin qui t'a mêlé à de pareilles actions tu as supposé payer, c'est pas bête. Histoire vraiment écœurant. Donc un monde illégal dans le pays où, pour arrêter 12 jours en prison ou a battu et puis l'ol ou a lagué sous frontière la Cali et tire souffle et puis il trépasse le mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis pas grand un cap dit pas grand ken côté pour rencontre. En tout cas n'a pas regardé vidéo ensuite et nous allons parler autour de nouvelles dispositions qui prend en République Dominicaine par rapport avec causé. En fait, par rapport avec cause et visa, ils ont même pris de nouvelles dispositions. Nous allons partager ça avec vous. Ça y va, il va aller partir. Il va aller se dire à fouiller là. Chaque semaine, il me dépose. Mais dès que tu as parlé, un chasseur. Ok, ça y est, comme monsieur à terre, on est pas à monter. Sur ce comme monsieur là, ok. Hitler, dans tout le et il y a Canary, donc il va prouver, il y a un taxi, on a déposé monsieur. Et ça me dit pas là, monsieur, et me dit, madame, monsieur, comment je suis pas un bon nom. Parce que dans ce moment, monsieur, je ne peux pas le faire route. Et je me sens, il y a une couleur de tête, monsieur, après. C'est clair. Monsieur dit, il était dans la prison. Il fait 12 jours de prison, il va pas manger. Et puis, il a battu chaque jour. En fin de compte, là, monsieur, va le mourir, il vient déposer sur la frontière. Il y a un bon samaritain qui est un taximan qui vient déposer Michel 2000 mètres de frontières, des ponts et jusqu'à Wanamet, de 2000 mètres. C'est-à-dire que 2 km dans cette station-là. Et bref, les malais, on voit qu'on a mal acheté des bagages pour Michel. Nous sommes monsieur. Avant, nous voyons acheter des bagages. Michel Boy, on a gâteau, on a des bagages comme ça pour Michel Boy. Et c'est là, monsieur, je viens de l'amener, moi, sans soutien dans les monsieur, puis sans soutien dans la bouche, monsieur. Donc, et, monsieur fait peur à la ville à cause de ça. Son situation qui est très, très, moi-même, je déplore ça en pile. Ça va faire bien, ça mange jusqu'au jour. Raison, c'est pas moi, pas monsieur, qui fait mal plus. Moi, qui fait mal plus. C'est en raison que nous avons regardé une vidéo côté où on a qui bague une pièce. Et bien, il y a ce qui était de Michel. C'était un groupe individuel qui était de Michel sans foi ni loi. Un groupe individuel sans foi ni loi qui était de Michel. Donc, il y a un abbaye quoi pour courant. L'autre là, après, il y a entré pour l'autre là, il y a un gros bois qui est un bois qui est un tuile. Effectivement, c'est ça qui fait un gars, puis on a mis un tuile. Ça, c'est indignement pour eux. Et moi-même, ça me dit pas là. Nous t'avons aimé dans les mois à venir pour gagner un bon gouvernement, pour un bon président stable. Et puis, on va essayer de voir, c'est pas pour tout le monde.
y a mon qui peut représenter nous, il y a mon qui a fait une décision, qui a pris une décision pour nous. Donc, nous avons un grand président décisif. Finalement, c'est ça que nous avons aimé. Désormais, pour moi-même, moi, je n'ai pas de société civile. Moi, je n'ai pas de société civile. Qui décide, je comprends déjà. Qui sait qu'on réalise dans ça, il y a fait déjà. Il fait semblant que. Enfin, guys, nous présentons une situation, mais c'est vraiment écœurant. Ça a passé dimanche, en fait, 4 décembre, il a déporté, il a largué sous frontière. Donc, moi, c'est que c'est des images, des cas de ce genre, et nous avons supposé, en fait, personnellement, je m'a fait ça, forward, il y a plusieurs autorités, que ce soit au niveau des Nations Unies, mais que ce soit au niveau des parlementaires, par rapport ici aux États-Unis. Parce que je pense que pour un cas comme ça, il faudrait que les gens qui sont responsables de ça, justement, t'appellent. Parce que ce n'est pas make sense. Les amants de Saint-Domingue pour le répéter, respecter, je veux dire que ça, sous pour un monde, ou identifier les gens, ils ont un ensemble de bagages pour faire un protocole. Pourquoi on comprend pour un cadavre ou la gueule comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en tout cas. Et on vous dit qu'on y a Saint-Domingue qui a fait show off net, n'a pas tout détail. Mais ça a imposé comme condition pour jouer un visa. Attendez bien, n'a pas de détail, ou même qui besoin un visa à Saint-Domingue. Ministère dominicain et ministère affaires étrangères, mes conditions pour demander un visa. Premièrement, vous avez pour remplir un formulaire, bon, pour tout visa, vous avez un formulaire. Vous parlez des photos sur fond blanc. Photo, ça c'est des bases basiques. Ils ont demandé une photocopie 4 d'identité. Non, c'est ok, n'a pas avancé. Ils ont demandé copie des visas dominicains autre pays valide ou expiré. Ouais, ils cherchent, si vous comprenez bien là, puisqu'ils ont demandé visa côté gain déjà ou bien visa l'autre pays, donc très certainement, ils vont regarder par exemple si ils sont monde. Bon, ça c'est analyse à faire. Quand on a regardé, est-ce qu'on est habitué à voyager à l'autre côté déjà comme un critère pour un visa? Visa, c'est pas un bagage automatique. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que vous demandez faut faire une copie. Bon, je connais ça, vous voulez dire par là. Et est-ce que c'est sous-gagné? Mais de toute façon, vous demandez une copie des visas dominicains et autres visas valides, même les visas été expirés. Vous avez besoin d'une histoire en matière de migration quand vous allez déjà. Yo mande un certificat médical et bon bak on habituellement des visas Saint-Domingue et est-ce que yo te kon mande tout bagay ça yo donc en tout cas c'est condition yo pou fini toujours non et bon mais entendu un passeport valide ça c'est normal yo mande certificat d'absence de casier judiciaire OK m'a répondre pour certificat d'absence de casier judiciaire en d'autres termes faut bayo yon papier kap sorti au niveau de commissariat qui dit que yo pa gen nom qui inscrit comme bandit comme gang parce que yo dit un certificat d'absence de casier judiciaire. Mais nous connaît dans pays d'Haïti depuis ces papiers au mande moun, c'est là problème pays nous. Depuis son papier au mande moun en Haïti, la panique fait le baou. En tout cas son papier kap délivré avec signature de l'autorité compétente qui a dit que Mounsa n'est pas en affaire avec la loi. Il n'a pas rien comme ça. Il a demandé copie lisible de la réservation d'hôtel. OK. Copie lisible de la réservation d'hôtel. T'es chargé. Et maintenant, ça passe là même. Et si c'est qu'un enfant, on va aller. Bah, on est. Mais il a demandé. Et si c'est qu'un enfant, on va aller. Yo parle de copie lisible de réservation d'hôtel. Si m'parle ka en forme de pas nécessairement gain réservation d'hôtel. Et puis yo mande très tellement y a pas d'information sur famille ça. Yo mande copie de la réservation de vol. Ça c'est logique. Et ko achete ticket. Mais gon ba m'pa fin comprendre. M'boko gain visa et puis pour mon gantan faire réservation et vol. Bon, ça paraît ton genre bah encore.
Il faut élève pour m'avoir une visa. Est-ce que vous avez un visa? Je vais acheter un ticket pour vous ici. Ok. Vous demandez des documents. Attendez bien, oui, de solvabilité économique. Mais tente. Sur ce domaine qu'on y est là, pour le bon visa, faut montrer solvabilité économique. Est-ce qu'on a un moyen? Est-ce qu'on a un compte canébank? Et on m'a des certificats de travail. Ça veut dire, si vous n'avez pas un job ou pas de travail ou pas de caler, entendez? Si vous n'avez pas un job, maintenant ça ne prend là pour la République Dominicaine. So, si vous comprenez bien, on m'a demandé et chargé. Mais tout ça a besoin, je ne dis pas, pour jouer un visa. Il dit pour haïtien jouer un visa. Visa de séjour dit aux haïtiens. OK? Si me comprenez bien, ça son condition vous fait typiquement pour haïtien. Condition pour livrer visa de séjour aux haïtiens. Faut d'apprécier aux haïtiens et vivant en Haïti. OK guys, so, donc menu. So et visa visa Saint-Domingue là et presque tourné et presque tourné en visa pour aller au SC. Oui, j'aime comprendre bail là et là. Enfin. Moi bon nous tout update yo guys. J'étais moi là m'aller parce que parole ça trop pour moi.